Coucou mes lapins, ça va? Bon, j'ai eu des petites nouvelles. Alors, je vous explique un peu ce qui se passe parce que j'étais en formation aujourd'hui pour aller pour ma création d'auto-entrepreneur. Et donc, du coup, je me suis dit trop bien, machin et tout. Et franchement, ça s'est super bien passé. Bon, les horaires étaient un peu raides. Je dois l'avouer, hein. C'était quand même très très raide. Et j'étais extrêmement fatiguée, mais je suis super contente parce que c'était vraiment une très bonne formation. Et j'ai hâte d'y retourner demain, même si j'ai 1 heure de route. Mais en fait, à la base, je vais vous poser, je vous ai pas pris pour ça parce que, en fait, il y a quelques semaines, je me suis dit, bon, écoutez, j'ai pas de nouvelles de l'adoption, machin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête, je continue, c'est chiant, je dois attendre tout le temps, ça m'énerve et tout. Et je me suis dit, bah écoute, tu laisses le temps jusqu'à la fin de la, comment on appelle ça, de la formation. Si à la formation, t'as pas une nouvelle, bon bah écoute, ça voudra dire ce que ça veut dire et puis c'est tout. Comme je vous avais déjà dit, hein, je suis désolée, je suis coiffée comme une lasse de pique, mais... Comme je vous l'avais déjà dit aujourd'hui dans une précédente vidéo, quand mon instinct me dit non, on n'y va pas, j'y vais pas. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, voilà, comme ça, ce sera fait. Donc, je reviens aujourd'hui, là, je viens juste d'arriver, il y a quoi, il y a 5 minutes, même pas. Donc, il est 18 h, il y a 5 minutes, donc ça va, j'ai bien géré. Et dans ma boîte aux lettres, tadam, l'adoption! Je ne l'ai pas encore ouverte, je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. J'avoue, j'ai trop, trop, trop hâte de le lire et en même temps, j'ai trop, trop peur. Donc, je suis un peu... Je vais vous le lire en direct. Madame, j'accuse réception de votre courrier reçu le 28 janvier concernant votre demande en vue d'obtenir un agrément en vue d'une adoption. Pardon. Afin de mener à bien votre projet, Madame... Assistante administrative vous rencontrera le mercredi 24 mars à 10 h. Eh ben dis donc, je dois refaire l'un. Alors attendez parce que c'est trop marrant. Mardi, donc aujourd'hui, on est lundi. J'ai dû aller 2 fois à 1 heure de chez moi, donc à Bar-le-Duc. Je suis revenue, donc ça fait 2 heures de voyage. Demain, 2 heures de voyage. Lundi prochain, j'y retourne pour 2 heures de voyage. Et j'ai encore... Tadam! Pour 2 heures de voyage. Je vous jure, je crois que je vais devenir folle alliée. Donc, c'est un entretien administratif au cours duquel vous seront délivrées toutes les informations concernant la procédure d'adoption. En cas d'empêchement, veuillez contacter, machin. Bref. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ça y est, c'est officiel. C'est officiel, regardez. C'est officiel. Ma démarche est actée. C'est enclenché. Je suis trop contente et en même temps je suis terrifiée parce que pour être honnête avec vous, je suis ressortie de ma journée de formation déjà d'une sur les rotules, de deux complètement épuisée, de trois je crois bien que je vais mourir sous toutes les taxes qu'on va payer, enfin que je vais payer, même si c'est en auto-entrepreneur, je ne paye pas autant comment on appelle ça, qu'une entreprise classique. Ça veut quand même dire que je vais lâcher des bifetons. Et ça fait mal à mon petit cœur. J'ai trop mal au cœur. Je me dis, oh la vache, tout ce que j'ai à lâcher, c'est horrible. Et donc là, du coup, là, j'ai eu un petit coup de panique cet après-midi. J'ai appelé ma pote. J'ai fait, j'ai peur, je sais pas quoi faire. Je crois que je vais pas rassurer. Et là, tranquillement, elle m'a dit, tu vas y arriver. Tranquille. Après, elle me fait, mais j'y connais rien. Ça m'a fait trop rire. Mais bon, du coup, après, j'ai réalisé qu'en fait, c'est moi qui ai fait une énorme boulette sur mon dossier. Bah, bon, je pensais que mon quota était... Parce qu'en fait, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez un quota à ne pas dépasser au niveau du chiffre des euros.
Et donc, du coup, le quota par année, en fait, moi, je l'ai sous-estimé, mais vraiment sous-estimé, alors que c'était carrément plus que ce que je ne pensais. Donc, du coup, en fait, je vais y arriver, en fait, c'est obligé. C'est même évident que je vais y arriver parce que je ne m'attendais pas du tout à un tel. Là, moi j'étais basée sur 13 000 euros par an. Oui, je sais, c'est peu, hein, mais sur le coup, ça ne m'a pas fait tilt. Et en fait, j'ai droit à 34 000 euros. 34 500 et des brouettes. Enfin, 34 000 euros. J'ai le droit à 34 000 par an. D'ici à ce que j'arrive à 34 000, même en faisant du 24-24, j'arriverai peut-être pas forcément 24 000, à 34 000, hein. Mais en tout cas, avec les horaires que j'ai et avec les choses que j'ai, je suis bien contente parce que voilà. Il y a juste quelques petites rectifications à faire sur les choses que je ne savais pas, notamment des choses à payer, des choses que je ne connaissais pas forcément. Et à part ça, sinon, mon dossier, il est nickel et j'ai bien géré, donc je suis hyper contente. Mais aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, j'avoue que je suis farcie comme un chou. Franchement, vous allez m'accompagner. Mais bon, je finis ma journée, ma belle journée, sur une bonne note positive avec ma demande d'adoption actée. Oui! Alors, je ne sais pas quoi faire de ce truc-là. Alors, j'ai planté des tomates. Vous pouvez le constater, j'ai planté des tomates. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si ça va pousser. Suis un peu deg. Mais bon, tant pis, c'est la vie. Bah, je vais aller manger de toute façon, parce que là, j'avoue que je commence à avoir faim. J'ai pas mangé beaucoup ce midi, j'ai pas mangé beaucoup ce matin. Je me suis levée super tôt. Je me suis levée, il était 5 h 30. Je suis partie à 7 h, donc vous voyez, le trajet est quand même long. Et puis, de toute façon, il faut que je vous laisse parce qu'il y a mon chat qui est en train d'enterrer son trésor. Et bientôt, vous allez m'entendre. Ah, tu pues, dégage! Donc voilà. Et puis, il faut que je mange. Et puis, il faut que j'aille prendre la douche. Et puis, il faut que j'enlève mes pompes. Et puis, il faut que j'aille dodo. Vraiment, beaucoup dodo. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais oh, j'ai la tête. Enfin, bref. Bon, du coup, voilà les petites nouvelles. Je suis trop, trop contente. Je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, merci aux abonnés nouveaux. Et puis, n'oubliez pas d'aller sur mon Insta pour me laisser des messages, parce que c'est toujours la galère pour envoyer des messages sur mon YouTube. Donc sur mon Insta qui est le même que, qui est le même nom que mon YouTube, donc AngelDadou44, vous y allez, même nom, même photo, vous tracassez pas. Et puis, pour ceux qui sont grave motivés, qui veulent m'aider à mort, hein, je suis toujours open pour la cagnotte Litchi. Donc vous allez sur Litchi et vous cherchez dans la barre d'infos retaper pour adopter et vous allez tomber sur ma cagnotte. Et si à la base vous voulez pas ma cagnotte, vous pouvez quand même aller voir parce qu'il y en a d'autres qui sont pas mal du tout. Voilà, je vous fais de très très gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!